Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Vivre sainement sur les 7 raisons pourquoi l'épidémie de coronavirus explose en Italie. Aujourd'hui, nous allons examiner ensemble les raisons potentielles d'une explosion de nombre de cas de personnes infectées en Italie, avec un taux de mortalité qui dépasse largement les chiffres annoncés par l'OMS. Nous verrons brièvement en première partie comment cette épidémie a démarré dans le pays et nous recalculerons très vite le taux de mortalité avec les nouveaux chiffres annoncés pour voir s'il évolue selon mes calculs de la vidéo d'avant-hier. Enfin, en deuxième partie, nous passerons à la loupe les raisons possibles de cette hécatombe. Vous allez voir que si certaines semblent évidentes, d'autres sont beaucoup plus inattendues et vont réellement vous surprendre. Mais pour l'instant, nous allons voir rapidement comment cette épidémie a démarré. Les trois premiers cas furent rencontrés en Lombardie le 21 février et ont entraîné l'arrêt immédiat du carnaval de Venise. Deux jours plus tard, les autorités ont annoncé un troisième décès. Cette annonce inattendue entraîna la suspension d'autres événements dans les environs. L'Italie a ensuite confirmé son premier cas de coronavirus dans le sud du pays le 25 février. Le 1er mars fut également un jour marquant. Le gouvernement a annoncé que les infections avaient augmenté de 40% dans le pays. Elles atteignaient déjà 1576 cas pour 34 décès en seulement 9 jours. L'infection se répandait comme de la poudre. Les régions du nord de l'Italie, comme la Lombardie, la Vénétie et l'Émilie-Romagne, sont les plus touchées par le coronavirus. 85% des personnes infectées se trouvent dans cette région, qui est également à l'origine de 92% des décès à ce jour. Néanmoins, les experts pensent maintenant que l'épidémie avait commencé beaucoup plus tôt que les trois premiers cas détectés, le 21 février. Et nous y reviendrons en seconde partie. Maintenant, essayons de voir le taux de mortalité. L'OMS a annoncé que le taux de mortalité était beaucoup plus élevé en Italie avec 5% que celui de la moyenne mondiale annoncée à 3,4%. J'avais fait une vidéo il y a deux jours pour recalculer ce taux de manière plus logique et j'étais arrivé à un taux de mortalité de 11,6%. Vous trouverez le lien de la vidéo dans la description. Je ne vais pas vous expliquer de manière détaillée tout le processus, je vous invite pour cela à regarder la vidéo sur le sujet. Donc pour reprendre le calcul, nous pouvons voir qu'en Italie, nous avons 10 147 personnes infectées, auxquelles nous retirons les 977 nouvelles personnes infectées d'hier. Elles sont nouvellement infectées, donc elles ne peuvent pas déjà être à un stade terminal. Donc 10 147 moins 977 égale 9170 personnes qui représentent la taille de notre échantillon. Nous avons 631 décès auxquels nous rajoutons 49% des cas critiques. Regardez la vidéo dans les commentaires et vous comprendrez pourquoi. Donc nous avons 877 cas critiques divisé par 100 multiplié par 49 égale 429 cas critiques qui vont statistiquement mourir et nous les rajoutons aux décès déjà enregistrés. Donc 429 plus 631 égale 1060 décès potentiels. Donc pour calculer le taux de mortalité, nous faisons 1060 décès potentiels divisé par la taille de l'échantillon, soit 9170, ce qui nous donne 11,6%. Donc le taux de mortalité reste constant sur l'Italie, ce qui démontre qu'il est très proche de la réalité. J'essaierai de faire des mises à jour hebdomadaires pour vérifier son évolution. Nous allons donc passer aux raisons de cette épidémie massive et mortelle en Italie. Alors restez bien jusqu'au bout de cette vidéo car c'est vraiment très intéressant de comprendre pourquoi l'Italie se fait toucher si sévèrement alors qu'ils avaient pris des mesures radicales dès le début pour éviter ce coronavirus. C'est d'autant plus intéressant car nous avons beaucoup de particularités communes avec l'Italie. Donc ce qui arrive en Italie pourrait également se reproduire chez nous. Abonnez-vous également à la chaîne pour connaître de nouvelles informations santé sur ce coronavirus et autres sujets. Regardez aussi dans les commentaires et la description de la vidéo, vous y trouverez le lien d'une vidéo pour vous aider à mieux vous préparer chez vous pendant cette pandémie. Vous y trouverez également des liens vers des masques de protection ainsi qu'une liste de matériel très important pour éviter d'être infecté. Il faut vraiment se dépêcher avant que tout ne soit en rupture de stock. La première raison serait que de plus en plus d'experts de la santé estiment que le coronavirus est arrivé en Italie bien avant la découverte du premier cas. Le professeur Massimo Galli, directeur des maladies infectieuses à l'hôpital Sacco de Milan, a déclaré « Je ne peux absolument pas confirmer une estimation de la durée de la circulation du virus en Italie, mais certaines premières preuves suggèrent que la circulation du virus n'est pas si récente. » Le docteur Stefano Paglia, chef du service des urgences de l'hôpital de Cologno, a affirmé « Avant que les premiers cas ne soient signalés, un nombre inhabituellement élevé de cas de pneumonie avait été enregistré dans un hôpital de Cordogno, dans le nord de l'Italie. » Il a également suggéré que des personnes infectées aient pu être diagnostiquées comme une grippe saisonnière. Ainsi, ces hôpitaux et centres médicaux auraient pu devenir le foyer de l'épidémie en Italie. Le docteur Flavia Riccardo, chercheuse au département des maladies infectieuses de l'Institut national italien de la santé, a déclaré « Le virus circulait probablement depuis un certain temps. Cela s'est produit juste au moment où nous avions un pic de grippe et où les gens présentaient des symptômes grippaux. » Une deuxième raison est que l'Italie a l'une des populations les plus âgées du monde, avec 23% de sa population âgée de plus de 65 ans. Donc le taux de mortalité très élevé pourrait être en raison de sa population âgée supérieure à la moyenne.
Chris Johnson, un épidémiologiste du Temple University College of Public Health, a expliqué qu'avec l'âge, les chances de développer au moins une maladie qui affaiblit le système immunitaire, comme le cancer ou le diabète, augmentent. De telles conditions rendent également les gens plus sensibles aux maladies graves causées par les coronavirus. Lorenzo Casani, le directeur sanitaire d'une clinique pour personnes âgées en Lombardie, a déclaré « L'Italie est le plus vieux du plus vieux continent du monde. Nous avons beaucoup de personnes de plus de 65 ans. » À titre de comparaison, l'Italie est à 23% de personnes âgées de plus de 65 ans. Nous sommes à 20% en France et en Chine, ils sont seulement à 11%. Ce pourrait être un des facteurs les plus importants en fait, car l'âge moyen de personnes décédées de coronavirus en Italie est de 81 ans, selon l'Institut National de la Santé. Si c'est vraiment le facteur principal, nous pourrions nous attendre au même effet sur la France, l'Allemagne et l'Espagne entre autres, car tous ces pays sont autour de 20% de plus de 65 ans. Une anomalie marquante est l'Iran, avec seulement 6% de plus de 65 ans, qui enregistre également de tristes records de décès. Selon ma méthode de calcul, le taux de mortalité en Iran serait de 7,4%. Cette différence pourrait effectivement venir du nombre de personnes âgées dans chacun des pays, mais malgré cette différence, le taux de mortalité est toujours extrêmement élevé en Iran. Une troisième raison pourrait également venir de la pollution. Selon un rapport de la plateforme suisse de surveillance de l'air, IQR, 24 des 100 villes européennes les plus polluées se trouvent en Italie. Lorenzo Casani, le directeur sanitaire d'une clinique en Lombardie, a déclaré « Des études ont montré une forte corrélation entre les taux de mortalité dus aux infections respiratoires virales et la pollution. » Une quatrième raison concernerait l'actuel service national de santé italien, Servizio Sanitario Nazionale. Il fournit des soins universels gratuits aux personnes, mais il reste sous-financé avec des coupes permanentes dans le budget de la santé. Un peu comme en France en fait. Les investissements dans les soins de santé publique ne représentent que 6,8% du produit intérieur brut du pays, PIB, contre 8,7% en France. Lorenzo Casani a déclaré « Les coupes continues dans les soins et dans la recherche sont évidemment un problème en ce moment. Nous n'étions pas préparés. Nous n'avons pas assez de médecins pour la population. Nous n'avons pas un plan organisé pour les pandémies. Avec l'augmentation du nombre de personnes infectées, le gouvernement a doublé le nombre de lits d'hôpitaux dans les services de maladies infectieuses et a demandé aux médecins à la retraite de venir les renforcer. » Monsieur Attilio Fontana, le gouverneur de Lombardie, a demandé aux universités de donner des diplômes plus tôt cette année afin d'augmenter le nombre d'infirmières dans le pays. Pourtant, de nombreux professionnels de la santé craignent que ces efforts ne suffisent vraiment pas. Lorenzo Casani a dit « En ce moment, en Lombardie, nous n'avons pas de lit gratuit dans les unités de soins intensifs. Les médecins doivent faire ce choix horrible et décider de qui va survivre et qui ne va pas survivre, qui va recevoir un moniteur, un respirateur et l'attention dont ils ont besoin. » Matteo Renzi, l'ancien premier ministre italien, a déclaré « Tout ce que l'on peut dire avec certitude, c'est que l'Italie est devenue le cobaye de l'Europe. » Elisabetta Gruppelli, professeure de santé mondiale à St. George, une université à Londres, a déclaré « Tant que l'analyse génétique virale n'aura pas permis de mieux comprendre la situation, il sera difficile de dire exactement pourquoi l'Italie a été si durement touchée. » Elle a ajouté « Le nord de l'Italie est le centre économique du pays et un haut lieu de tourisme, ce qui explique qu'il soit très fréquenté par les voyageurs qui entrent et qui sortent de la région. » Avec plus de personnes en mouvement constant et en interaction les unes les autres, cela pourrait fournir un contexte plus favorable à la propagation de la maladie. Une cinquième raison pourrait être la culture sociable des Italiens. Le professeur Della Giusta, docteur de philosophie italienne, a expliqué que les Italiens ont généralement une culture tactile et aiment les espaces de rencontre. Elle a ajouté « L'espace physique interpersonnel en Italie est beaucoup plus court qu'au Royaume-Uni ou en Irlande. Leur habitude est de s'embrasser pour se saluer. De toute façon, les contacts physiques sont plus importants autour de la Méditerranée et les gens sont plus souvent à l'extérieur à cette époque de l'année que dans d'autres régions d'Europe où il fait encore un peu plus froid. Effectivement, cette raison pourrait être un autre dénominateur commun avec toute l'Europe latine. Le professeur Della Giusta a également expliqué que de nombreuses personnes n'ont pas pris les mesures d'auto-isolement et de quarantaine très au sérieux lorsque les écoles ont été fermées pour la première fois il y a quelques semaines. Quand les écoles furent fermées en Lombardie, beaucoup de gens ont simplement pris leurs enfants et sont partis en vacances dans leur maison de campagne, à la montagne ou au bord de la mer dans d'autres régions. Ils pensaient assurer la sécurité de leurs enfants en les emmenant, mais ce genre de comportement est vraiment très préjudiciable. Une sixième raison pourrait venir de l'explosion de cas dans une région donnée qui ont besoin de soins médicaux. Le fait d'avoir beaucoup de patients gravement malades dans une seule région peut potentiellement submerger le service médical, a déclaré Aubrey Gordon, professeur associé d'épidémiologie à l'Université du Michigan. Elle a noté que c'était ce qui s'était passé à Wuhan, en Chine. Un rapport récent de l'OMS a révélé que le taux de mortalité était de 5,8% à Wuhan, contre 0,7% dans le reste du pays. Enfin, la septième et dernière raison est que beaucoup de cas asymptomatiques ne sont pas repérés et transmettent sans le savoir le coronavirus à beaucoup d'autres personnes.
Nous ne savons probablement pas combien de personnes ont été infectées, a déclaré Chris Johnson, un épidémiologiste du Temple University College of Public Health aux États-Unis. Les personnes présentant des symptômes plus légers ou celles qui sont plus jeunes ne vont peut-être pas se faire tester, dit-elle. Voilà, je pense que j'ai fait le tour de quelques raisons potentielles. Et vous, en voyez-vous d'autres? Si c'est le cas, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires ci-dessous. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, cliquez sur j'aime et sur partager. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait et à très bientôt pour une prochaine vidéo sur Vivre sainement.